La Russie affirme avoir détruit une livraison d'aide militaire occidentale dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, alors que l'Ukraine indique que ses forces ont fait quelques avancées près de Kharkiv et de Kherson. Pendant ce temps, les affrontements font rage dans l'est et le sud de l'Ukraine, où les forces russes ont détruit un dépôt de munitions situé à Kramatorsk, dans la région de Donetsk, et abattu deux avions de combat ukrainiens. Par ailleurs, à Mariupol, au moins 50 civils ont été évacués de l'usine sidérurgique d'Azovstal et les évacuations se poursuivent aujourd'hui.